Johan, on vous a laissé à Auxerre, on a senti qu'il y avait un coup au moral. Est-ce que tu as senti le coup encore atteint cette semaine à l'entraînement? Oui, c'est vrai que à la fin du match, ben, forcément, il y avait beaucoup de déceptions au vu de la physionomie du match. Je pense qu'on méritait mieux. Tout au long de la semaine, voilà, on a rapidement switché pour être focus sur le match qui arrive. Oui, plus que le match, c'était aussi, tu vois, c'était un peu se dire que c'était la trêve, qu'il y avait possibilité encore de relancer la machine à ce moment-là et que ça n'a pas encore été le cas. C'est pour ça que Gauthier parlait aussi de coup moral après le match. Ça n'a pas laissé trop de traces, je veux dire, cette défaite. Non, ça fait mal, forcément. On y pense pendant le week-end. Après, pendant le jour de repos, voilà, ça fait chier, hein, ça fait mal, mais c'est comme ça. Après, il faut rapidement passer à autre chose, parce que si on reste sur la défaite face à Auxerre, à Féchier, on va pas s'en sortir. Donc il faut vite se basculer en mode compète et se remettre concentré sur le prochain match. Parce que là, tu te réfugies dans le travail, dans la famille aussi. Oui, dans la famille, surtout, c'est important, et dans le travail aussi. Qu'est-ce qu'il dit justement un peu ton entourage? Ils doivent te voir très frustré. Comment ils essaient de te remonter ton moral? Vous savez, quand on est frustré, on sort d'ici, on rentre à la maison, il y a les enfants, on oublie un peu. Puis un petit peu. Voilà, ça me donne un peu plus de sourire. Comment t'expliques ces sautes de concentration, ces baisses de régime qu'on a parfois sur les matchs et qui coûtent très cher justement en points, en buts, notamment à Auxerre, où à un moment donné où vous avez eu un gros temps fort, et derrière, vous encaissez un but au moment où on l'attend finalement le moins. C'est le football que comme ça, hein, parfois on domine. On peut. Je pense pas sur ce match-là qu'il y a eu deux périodes moins bien où je pense qu'on a plutôt maîtrisé le match dans l'ensemble. Mais ouais, c'est le football, on a été punis. Quand on a les occasions ou l'opportunité de mettre un but ou plus, faut le faire. Parce que sinon, souvent, ça arrive. Hein. Vous avez dû voir dans d'autres matchs, souvent l'équipe dominatrice est punie. Et ça a été le cas contre Auxerre. Parce que ça se répète un peu souvent. On a l'impression que peu importe un peu le scénario du match, ça se termine mal pour vous. Est-ce que toi, tu as un peu ce sentiment un peu de lassitude de dire quoi qu'on essaie de mettre en place, quoi qu'on fasse, ça se termine toujours mal? Non, c'est différent parce que les autres matchs, on a certes été irréguliers au cours du match. Par exemple, contre Brest, où on est bon une mi-temps et la deuxième mi-temps a chier. Là, contre Auxerre, c'est différent parce qu'on maîtrise vraiment tout le match. Après, certes, on est dans une spirale négative, donc on retient, oui, la défaite, tout ça, fait chier, on fait que de perdre, mais c'est différent, je trouve. Est-ce que tu sens que dans le vestiaire, certains joueurs se remettent en question, prennent leurs responsabilités, quitte à dire face au groupe, oui, c'est vrai, sur ce but-là, c'est moi qui ai fauté, oui, sur ce match-là, j'ai été moins bon. Est-ce que certains joueurs prennent un peu leurs responsabilités? Oui, on va dire, après, je sais pas, pourquoi tu as l'impression que quelqu'un a fauté ou... Non, mais sur le but... Sur le but à Auxerre. Il y en a qui laissent partir Dacosta dans le dos. Est-ce qu'il y en a certains qui disent, ce but, il est pour moi, c'est moi qui ai merdé? Forcément, ils le savent. Après, oui, on parle entre nous. On se dit les choses. Mais oui, on parle entre nous. Beaucoup de supporters se demandent si tous les joueurs sont vraiment concernés à fond. Toi, tu fais partie des joueurs club dans ce groupe. Est-ce que tous les joueurs sont concernés à fond par ce maintien? Est-ce que parfois, il faut rebooster un petit peu les coéquipiers pour leur dire « Allez, les gars, il faut aller au charbon ». Tout le monde est concerné et les deux à la fois. Tout le monde est concerné, mais il faut aussi rebooster les joueurs parce que il y en a pas mal qui connaissent pas cette situation-là. Donc c'est pourquoi faut les rebooster à chaque fois.
Toi, tu as connu en plus la Ligue 2, tu sais d'où tu viens. C'est pas le cas de tous dans le vestiaire. Est-ce que, pour rebondir un peu là-dessus, est-ce qu'ils sont tous conscients que la Ligue 2, elle est pas loin et qu'il faut pas y aller? Oui, c'est ce que je leur répète souvent, c'est à tout le monde d'ailleurs, que la Ligue 2, c'est pas simple, c'est dur. C'est un championnat très, très dur et on a la chance d'être en Ligue 1. Et c'est cette année, je pense que, d'un point de vue personnel, c'est cette année, je pense qu'il faut rester en Ligue 1. Parce qu'après, il n'y a que deux descentes. Et je pense que c'est cette année, il faut rester en Ligue 1. Parce qu'après, même si, dans le pire des scénarios, si on descend, ça va être très compliqué de remonter. Parce que la Ligue 2, encore une fois, c'est un championnat très, très compliqué. T'es un joueur club, comme on vient de le dire, les gens te parlent, souvent te reconnaissent dans la rue, t'interpellent peut-être, te parlent après les matchs. Il y a un peu un sentiment un peu presque de dépit, tu vois, autour de l'attitude. Est-ce que tu arrives, toi, à lutter un peu contre ça et à ne pas tomber là-dedans, justement, parce que tu es sur le terrain, tu ne dois pas tomber là-dedans? C'est vrai que à chaque fois que je croise des supporters en dehors du stade, ils me parlent de la situation, forcément. Peu importe où je vais à Troyes, après, c'est vrai que c'est dur, c'est une situation compliquée, mais voilà, il y a encore de l'espoir, et tant qu'il y a de l'espoir, il ne faut pas lâcher. Est-ce que tu leur réponds quand tu les croises directement? Oui, c'est ça, certes, à nous aussi, ça nous fait mal de perdre, d'être dans cette situation-là, personne n'est heureux d'être dans cette situation-là, et je pense que celui qui est heureux, il n'a rien à faire ici. Et comme j'ai dit, tant qu'il y a de l'espoir, il faut se battre jusqu'au bout. Est-ce que c'est pesant pour toi de devoir toujours un peu comme ça, de devoir te justifier, de devoir répondre à toutes ces remarques-là? C'est normal, parce que voilà, la situation fait que je suis obligé de faire ça. Ouais, c'est normal, j'ai pas le choix en fait. Tu parles de motifs d'espoir, lesquels tu décèles, sur quel levier s'appuyer, sur quels éléments positifs s'appuyer justement pour entretenir cet espoir-là? Par rapport au match d'Auxerre, sur la maîtrise du match en lui-même, je pense qu'on a eu beaucoup de positions de balle, on a eu des situations, on aurait pu ouvrir le score si Mama ne contre pas la balle. J'avais pas vu, c'est la vidéo que j'ai revu ça, mais oui, on a eu pas mal de situations et sur la maîtrise globale du match, je pense. Sur ça, faut qu'on s'appuie, notamment contre Clermont. Justement, Clermont, quand on voit le calendrier qui va suivre, est-ce que, on dit ça un peu depuis 2-3 semaines, mais est-ce que c'est pas le dernier match? Parce que voilà, tu vois bien qu'il reste encore 8 derrière, mais celui-là quand même, quand il voit le calendrier encore une fois qui suit... En fait, tous les matchs comptent, franchement, tous les matchs comptent. Si on rentre dans des calculs, on va retourner à l'école, mais non, tous les matchs comptent, franchement, peu importe l'adversaire, à ce stade-là, on sait que ça va être dur. On sait que il y a des matchs, ça va être très compliqué, mais qui sait, peut-être c'est là où on nous attend le moins qu'on va surprendre tout le monde. À domicile, est-ce que tu crains un peu ou pas l'atmosphère qui pourrait régner ou pas? Non, je crains pas personnellement, mais après on s'y attend, on sait que les supporters sont mécontents, c'est normal. Mais bon, on espère tout de même qu'on va les entraîner avec nous à travers notre performance sur le terrain et qu'à la fin, tout le monde aura un petit sourire, un petit motif d'espoir. Est-ce que vous avez demandé aux joueurs un peu de ce qu'on voit d'extérieur, en tout cas un peu les mêmes systèmes tactiques, les mêmes consignes? Est-ce que vous avez demandé à un moment donné ou là récemment des ajustements, je dis pas une révolution, mais des ajustements par rapport à ce que vous voyez vous sur le terrain, vous qui y êtes et vous qui connaissez bien le championnat? On en parle entre nous, oui, que en cours de match, peut-être il peut y avoir quelques ajustements. Notamment quand l'équipe adverse passe à 3 milieux. C'est là où on voit que nos milieux commencent à tirer la langue parce qu'ils sont en infériorité numérique.
Mais après, ouais, après avoir avec le coach, avec le staff, tout ça. Pour moi, sur le ramadan, est-ce que c'est un sujet dont vous parlez entre vous, ceux qui font le ramadan dans le vestiaire? Est-ce que c'est un sujet, ben on sait que c'est celui qui non, peut pas créer du tout. Des passions? Ouais, pas du tout, franchement, on en parle, mais franchement, en bien, quoi. Mmh. En bien, parce que on a l'exemple, par exemple, de Karim Benzema qui, sur ramadan, il explose tout. Mmh. Donc, moi, je pense que le ramadan, c'est propre à chacun. Et tant que ça met bien la personne dans un bon mood mentalement, je pense que tant que t'es bien mentalement, tu peux, peu importe que t'aies pas mangé, que t'aies pas bu, tu peux être performant, tant que t'es bon dans la tête. Oui. On parlait de fraîcheur physique dans les matchs d'Auxerre et Brest qui vous manque un petit peu parfois en deuxième mi-temps. Est-ce que l'intensité mise aux entraînements tout au long de la semaine et surtout en fin de semaine n'est pas justement à remettre en cause Est-ce que c'est pas là le problème? Non, je trouve pas que contre Brest, moi personnellement, je trouve pas qu'il y ait eu un problème physique. Parce que contre Brest, c'est juste la deuxième mi-temps, ben, on a arrêté de jouer, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas un problème physique. Et contre Auxerre, ben, j'ai pas trouvé ça, puisque en deuxième mi-temps, on n'a pas été plus en difficulté que ça. Donc, non, je pense. Moi, personnellement, je suis pas d'accord sur ça. Vous avez perdu aussi Renaud. En plus de Florian, Tardieu, joueurs 4, deux aboyeurs aussi, chacun dans sa ligne. Est-ce que ça risque pas de manquer un peu dans ces fins de saison, un peu ces aboyeurs-là, si c'est. Ces joueurs qui connaissent aussi ces situations-là, des joueurs qui peuvent prendre le relais, est-ce qu'il y en a assez qui peuvent prendre le relais? Forcément, ça nous fait un joueur d'expérience en moins, un cadre, comme tu l'as dit. Et ouais, c'est un joueur très, très important parce qu'il connaît ce genre de situation et voilà, il sait comment ça se passe, ce qu'il faut faire. Et en plus, Renaud, voilà, il a les qualités pour. Voilà, c'est un charbonneur et. Forcément, il va lui manquer. Et après, ouais, c'est vrai que ça fait un joueur en moins d'expérience qui connaît cette situation-là. Est-ce que d'autres doivent prendre le relais? Tu incites ou le club incite d'autres joueurs à prendre un petit peu plus de poids dans l'équipe? Non, pas forcer les gens à. Si les gens ont envie de le faire d'eux-mêmes, qu'ils le fassent, mais je ne vais pas forcer. Après, là, comme ça, je ne vois pas. Je vois pas qui peut prendre cette place-là, mais ouais, à voir. Just quickly before we start, I want to make it very clear, very, very clear. When I'm asked a question in French and I smile, it's because I understand the question. So now my French is getting better. It's not because I'm happy. It's not because I'm sad. It's because I understand the question, so I'm learning French as best as I can. So when someone asks me in French and I smile, it's because I actually understand the question. So whatever perception you have, you're wrong, okay? It's because I understand the question and my French is getting better, nothing else. Is that clear? Everyone, so now you understand English because I could say, okay, now you have to ask every question in English. No, but we understand this. Okay, I want to make it very clear here, right now. Okay. Juste avant de commencer pour mettre les choses au clair, si vous me voyez sourire lorsque j'entends une question en français, c'est au moment où je la comprends que je souris. Désormais, je parle mieux français et la perception que vous aviez de me voir sourire à chaque question, et bien parce que je la comprends et je fais des efforts, je progresse en français au quotidien. C'était juste pour mettre les choses au clair par rapport à ça. Ok. Est-ce qu'il trouve que le groupe a bien, comme a dit Johan, switché après le match au sein? Yes, we have to. We have to do this. You know, it's we can't think about the past. What we have to do is continue the good work that we've been doing in the games and progress
because they've done some really good, really, really good stuff. But we need to keep progressing to keep getting better. Oui, bien sûr, on se devait de switcher. On ne peut pas penser à ce qui s'est passé dans le passé, sur notamment le dernier match. On doit continuer à aller de l'avant car on a aussi montré de belles choses et se concentrer sur les matchs qui vont arriver. Justement, c'est... Parler du match à Auxerre, sur quel motif d'espoir il appuie beaucoup aussi auprès de ses joueurs pour leur montrer, parce que c'est le discours que le club donne, que c'est encore possible. Look, when you look at that game and you see the way we played, you see the chances that we created, the possession that we had, we have to keep building on this. That is what I told the players. So what we have to understand is, and I think this is my mindset, is, you know, if we can keep improving this, the more chance you have. I don't want to be a team of 5% possession, one shot on goal, and win 1-0. Eventually, I want to dominate games. I want to have a lot of shots, a lot of chances, and this is what we had. So people see wins and losses, I understand. But my mindset is, if we can have performances consistently like this, the more chance you have better to win a game. That's reality. That's fact. You know, and that's what I told the players, you know, because I know it was difficult for them after the game, especially the way they played, and to lose, it's difficult in a moment like that. Quand on regarde les derniers matchs, notamment celui face à Auxerre, on a su se procurer de nombreuses occasions, se placer dans les bonnes zones sur le terrain. C'est ce que je veux, c'est ma façon de penser, c'est que je souhaite que l'équipe soit dominatrice, se crée des chances, et non pas seulement que ce soit une équipe qui se contente de marquer un but puis de fermer derrière. Ce que les gens voient, ce sont les résultats, que ce soit des victoires ou des défaites, mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir ce discours auprès des joueurs, de leur dire qu'on est capable de se créer des chances, de se positionner dans les bonnes zones du terrain. Et c'est vrai qu'après cette défaite à Auxerre, c'était difficile de leur expliquer ces choses-là, mais pourtant c'est réel, c'est ce qu'on a été capable de faire, c'était de bonnes choses. Justement, vous l'avez dit, lors du dernier match, il y avait beaucoup d'occasions créées. Est-ce que, à l'entraînement, vous travaillez ce qui vous a manqué un peu lors du dernier match? Et est-ce que là, par exemple, vous avez cette semaine travaillé plus spécifiquement l'offensive, on va dire, le fait de pouvoir marquer des buts, la finition? We do this every day. We follow this way every training session. Again, sometimes they go in, sometimes they don't. But it's not because we don't do this. We actually do a lot of this work with the whole team, you know, defensively and attacking. So we do a lot of work on this, you know. And when sometimes you see you don't get the reward, it's hard, but you have to keep doing it in training, do more, keep working, keep improving, and hopefully we get chances like this again. But the important thing is being able to create chances. You know, one thing that you're there, but to create it, it's harder. So the positive is that we are creating the chances to score. Now we have to score. Okay? Oui, bien sûr, c'est un aspect que l'on travaille tous les jours. Parfois ça rentre, d'autres fois ça ne rentrera pas. On travaille l'aspect offensif, aussi l'aspect défensif avec l'ensemble de l'équipe. Lorsque nous ne sommes pas récompensés après s'être créé des chances, c'est vrai que c'est difficile, mais il faut continuer de persévérer. Et le plus compliqué dans une rencontre, comme je dis, c'est de se créer des chances.
Ensuite, la finition, le reste, ça viendra. Mais nous, on est capable, en tout cas, de se procurer des occasions. Et ça, c'est un point important. Les supporters ont été un peu agacés par le fait que vous ayez dit que vous étiez fiers de vos joueurs à l'issue du dernier match. Des propos qui ont pu paraissent être en décalage par rapport à l'urgence de la situation du maintien. Est-ce que vous comprenez que parfois, il peut y avoir des quiproquos? Et comment vous expliquez effectivement ce décalage par rapport à votre perception et les résultats finalement? Think and what you said after this game. Can you... So that was it because I said the players were good. I look at it differently. Again, we look at results. Results, yes. But like I said, in this game, you besides the result, you have to be positive with the players because they played well. If someone does well, it's good. If someone doesn't do well, I say we didn't do well. This is what I always tell the truth, and we played well. We played well that game. And not all the time do you play well and get your reward. This is football. This is reality. And it's probably more, people see more because of the situation we're in. So it's a bigger deal. Where, in my opinion, is that if the players do well, they play well. And sometimes, as we know, in our work, when we do well, we don't always get rewarded. We don't always get rewarded. This is the industry that we're in. And this is why I was so disappointed, because when I say the players did well, they did well. But they didn't get the reward that the performance deserved. Okay, so we have to make that clear. That if they play bad, they play bad. If I said a couple of weeks ago, we played 45 minutes against Brest. We need to be fitter. I'm honest. But when the players do well, I will say they do well. And sometimes you lose. The players don't want to lose. We don't want to lose. But we want to play well. And we did. Unfortunately, we didn't get the result that the performance, listen, that the performance deserved. And that is critical. C'est vrai que si on joue bien, comme c'était le cas le week-end passé, je vais le dire. Si on le fait mal, si on fait moins bien les choses sur le terrain, je vais aussi le dire. Certains ont une vision qui est différente car ils sont uniquement préoccupés sur la situation actuelle et les résultats. J'étais déçu car les joueurs n'ont pas été récompensés le week-end passé. Contre Brest, j'avais été très honnête en disant qu'on avait joué 45 bonnes minutes, mais que dans la foulée, il y avait un manquement, on a pêché au niveau physique notamment. Et là, tout simplement, j'ai pensé qu'après cette prestation, les joueurs n'ont pas été récompensés de leur belle performance, et ce qui était dommage, évidemment. Ça fait plusieurs semaines que vous nous dites que vous êtes là pour le long terme. Est-ce que le fait que votre président l'annonce dans les médias locaux vous rassure, vous rend plus serein ? Yes. The president confirmed it in the media. Yeah. Does it make you more confident about the situation? Well, they didn't ask me the question. They never asked the question, so I didn't need to answer. You never asked me if I'm here for long term. Yeah. So I didn't answer the question. But yeah, I'm here for long term. I have a way of doing things. My long-term ambition is slowly happening here. And it's hard because you don't see it. You can see performances in some way, but a lot is happening that you don't see. And things will slowly change. Things will slowly... change in a way that Twa will have an identity. At the moment, it's different because we have 9 games to play.
We have no games to fight. We have no games to play for our lives. But also in the background, there's a lot of things happening for the better for the club. Premièrement, vous ne m'aviez pas directement posé cette question si j'étais là pour le long terme, donc je n'y avais pas répondu devant vous, mais en tout cas, mon ambition sur le long terme ici se dessine petit à petit, chaque jour. Des choses vont progressivement changer et changent de jour en jour. Parfois, on ne le voit pas car ce sont des choses qui se passent en interne, notamment pour parler d'identité du club. On travaille aussi sur l'identité du club. Aujourd'hui, la situation fait que nous avons 9 matchs à jouer, 9 matchs où nous allons jouer notre vie pour le club, et les choses qui se mettent en place au quotidien, petit à petit, se feront tout naturellement tout au long des jours qui suivront. Souvent dans ces situations, les joueurs ont un peu peur de prendre des risques, notamment offensivement. Qu'est-ce qu'il peut faire ou dire justement pour les libérer sur ce point-là ? Won't take too many risks, also maybe offensive or defensive, might be kind of nervous. What can we say to the situation? For me, don't change. When we attack, we get to attack. When we defend, we have to defend. You know, it doesn't matter who we play. We have to have the same mindset of this. And this is what part of what I'm working on is. We have to have an identity that we don't, it doesn't matter who we play, we will always try and play the same way. So, and have the same mentality and behavior. You know, so yes, we will attack when we have to attack. We will defend when we have to defend. And we have to fight for 90 minutes and run as hard as we can for 90 minutes. Pour moi et mon discours, ça ne va pas changer grand-chose, peu importe l'équipe que l'on doit affronter. On doit jouer avec beaucoup d'intensité, on doit se battre pendant 90 minutes. Il faut que notre mentalité soit meilleure à chaque rencontre. Quand on est dans une spirale négative, on parle souvent de levier. Vous avez changé votre système. Tous les joueurs, vous avez mis les deux gardiens, les pistons, les centraux, je ne vais pas faire la liste, mais tous les joueurs. Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est possible que vous vous disiez « Je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus comment faire, je ne sais plus quoi changer pour que ça marche ?» He says that sometimes when we don't have any more ideas, what can we do? Any more ideas? Quand on en manque, c'est. Oui, est-ce que parfois il se dit, je ne sais pas quoi faire, quoi. Yeah. We play for the strength of the players we have. That's what we're playing. We're playing with the players that we have and their strengths. So we're trying to maximize the strengths of the squad that we have. That's what we do. That's what I'm doing. We're maximizing everything that we can. For 2 years now, I think more similar, the players have played the same formation. Am I right? Yes. And it's with the players that have been here have been brought in to play a certain way for formation. So we play for their strengths. And this is what we do. We're trying to play for the strengths of the players to go and express themselves in the best way. I changed at the start to see if maybe we could change it. But I think when I look over it, I don't think we were ready. We weren't ready. So this is why we revert back to the away. So to give the best possible chance for the players to play comfortably in the best way. In the best positions. On joue avec les qualités de chacun pour rendre le collectif plus fort et meilleur. On veut mettre chaque joueur dans les meilleures conditions et en position de force pour qu'il soit à l'aise sur le terrain. J'ai effectué effectivement ces changements au début pour voir si c'était possible, notamment pour revenir à la défense à 4.
Pour moi, on n'était pas encore prêt à jouer dans ce dispositif jusqu'à la fin de saison. C'est pour cela que je suis revenu en arrière, tout simplement. Et l'idée aujourd'hui, c'est de donner le meilleur à chacun pour qu'il se sente dans de bonnes dispositions à chaque rencontre. Alors aussi, Comté, Rennes, Adelaide ou même Poroso n'étaient pas là lors du dernier match. Est-ce qu'ils sont rétablis pour cette rencontre ? Oui, si Jeff, Abdou et Jackson were not there for the last match. Yes, are they going to be back? Abdou and Jeff, no. Larussi came back yesterday, first training yesterday. And Jackson's trained for 2 days. So Jackson and Larussi have just come back to training. And Jeff and Abdul are still injured. Abdou Conté et Jeffrey Adelaide sont toujours blessés, ne sont pas disponibles. Yasser s'est entraîné hier. Donc il revient avec un entraînement dans les jambes et Jackson s'est entraîné depuis 2 jours. Donc ce sont deux joueurs qui reviennent progressivement à l'entraînement. Je ne crois pas avoir vu Romy Kouamé à l'Estac Tour. Il était bien là. C'est moi qui l'ai raté. Il va bien. He didn't see Romy Kouamé yesterday. 2 days ago at the Estac Tour. Is he good? At the where? Estac Tour when he went see the fans. He had a personal scan, a scan that was personal, so I'm not going to tell you of what, but he had a personal scan. Il a eu un examen personnel, donc je ne vais pas vous dire lequel, mais... Yeah. Un mot sur le ramadan, est-ce qu'il estime que c'est compatible avec la performance de haut niveau? Son homologue comme Boiré disait que c'était selon lui pas compatible. Quel est son avis là-dessus? Look, I respect everyone. It's not my job to judge people that do Ramadan. I respect what they do, and if they say they can play, they can play. There's no problem with me. You know, I worry about their health, and my number one is their health. And if they can play, they play. No problem. If they do Ramadan, I don't say no. You know, we have people doing Ramadan and they play. No problem. I respect their beliefs. That is it. I respect what they do. Je respecte les croyances de chacun. On a des joueurs qui font le Ramadan ici. S'ils se sentent capables de jouer, je les mettrai sur le terrain. Je respecte, je n'ai aucun problème avec cela. Mais sans parler de croyances, c'est pas le débat. Tu n'as pas de vue athlétique, physique, est-ce que pour lui ça ne nuit pas justement à la santé très physique des joueurs qui peuvent avoir un peu de temps? En termes de high level performance, maybe more difficult to play when you. There's high level players that are doing Ramadan, that play at the highest level. So, you know, they could do it. You know, I think everyone else can do it. Again, everyone is different. You know, everyone is different. But for me, as long as they do their best on the pitch and they're fine, there's no problem with me. I respect the decision. Il y a de très grands joueurs qui font le Ramadan et qui performent. Donc cela ne me pose absolument pas de problème. Chacun est différent, chacun réagit différemment. Si l'un de mes joueurs, en tout cas, se sent capable de jouer et est en santé, en bonne santé, c'est le principal et je le ferai jouer.